C'est dans le même état, c'est saccagé pareil? Ouais. Tu commences par le haut, par le bas, en bas, et tu finis par le bas. Ouais, bah ouais. Mais moi, je savais pas, Richard. Si, il y a tout. Là, les batteries de la rame incendie, c'est moi qui les ai récupérées parce que j'ai trop fait gagner. Je pense que je vais venir rapidement pour donner un coup de main. Si on se pète ça, là, franchement, si on y est. Moi, je lance une communication dès la semaine prochaine. Moi, je viens, c'est le matin, milieu de matinée, voire début d'après-midi, parce que je vis la nuit. Non, franchement, ici, vous n'avez même pas besoin de le gars d'à côté, tu t'en fous, il se prendra la tête tout seul, et vas-y, prenez ce bâtiment, mon gars, prenez, lâche pas ça. Par contre, c'est ça que je leur dis. Arrête. Quand il arrive ici, direct, les bases, les bah oui. Tu respectes. Là, c'est vous, vous nettoyez, c'est vous, vous mettez les bases, les gars. Tu respectes pas les règles. Niveau alcool et coups, vous mettez tac-tac, pas forcément interdire, ça c'est vous qui voyez, mais mettez les bases, quoi. En mode, tu déconnes, la porte est là-bas, mon frère. Ben non, il va à l'autre bâtiment. Si vous ne pas respectez les règles, il peut aller à l'autre bâtiment. On avait deux qui, nous, on avait trois règles, c'est ta liberté. Ah oui, après, ça, c'est eux qui gèrent. Mais après, si tu as un autre bâtiment à leur fournir, oui. Sinon, après, même si tu n'as pas d'autre bâtiment, mon frère, la rue, elle est là-bas. On vit tous en collectivité, on se bat tous pour avoir un avenir meilleur. Pas pour foutre le bordel. Pas pour s'entretuer. Oui, ben oui, c'est clair. C'est normal. S'il n'y a pas de risque. S'il y a pas de risque. À la gare, c'était ça, on n'avait que trois règles. Ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Tes 3 grammes, tu les gères ou tu dégages. Et puis le troisième, c'était pas d'animal, tu vois, pas d'animaux, parce que, comme le voisinage après, quand t'as 15 chiens qui commencent à aboyer en même temps. Non, mais justement, tu peux pas interdire les animaux. Enfin, moi, je trouve pas ça cool, j'ai un chien. mais le maître, nous, la règle qu'on a à la maison, l'animal et les enfants, les deux, ils sont sous la responsabilité de leurs parents et propriétaires. Et ça veut dire que si ton chien fout la merde, tu prends la porte avec ton chien, mon frère. J'en ai rien à foutre. Si t'es pas normal. J'ai déjà foutu un mec dehors à cause d'un chien. Parce qu'il le gérait pas, il le tapait devant tout le monde. C'était pas possible, tu vois. Ah ouais, le balcon, ça donne direct là dans le. Ça donne direct de la cour, on voulait. Là, on a prévu de foutre un potager partagé avec. Mais. De faire un gros potager partagé avec. Mais c'est un truc de fou. Un poulailler, enfin moi j'ai un collègue là qui. Tu crois que les gens en fait, tu crois qu'ils seraient pas heureux là justement. Ça c'est qu'un bâtiment. Vous allez gagner les bourgeois et tout, ils vont venir planter des légumes. Les flics sont arrivés, c'est tous les papiers mamies de l'association de Gradement qui sont venus. Les flics ils vont pas réussir à nous dégager à cause des mamies et des papiers. Et je te dis, ils sont arrivés en 10 minutes. Hein. Ils sont tous venus à pied, à vélo, ils étaient devant les flics, ils étaient comme des couillons, ils ont vu tous les papiers arriver. Moi j'étais dans le bâtiment là-bas, j'étais en train de barricader. Je courais dessus le balcon, comme ça j'allais de porte en porte, je barricadais tout. Et les papiers étaient dehors, et le flic et le maire, ils m'ont dit, ah, c'est lui là-haut, le rassemblement, c'est lui le paradis. Non, franchement, elle est grave cool. En plus, la cour que vous avez, t'es un fou. Regarde derrière, derrière aussi. Derrière, toi, tu peux le voir de devant. Tu vois la maison que je t'ai dit que j'avais ouvert juste avant de venir ici. Elle est juste là, là, c'est le manoir. Là, ici, c'est le manoir. Et ils ont tout ce terrain ici qui donne juste en bas. Ouais, mais bon, ça, déjà. On a déjà ça, mon gars. Non, mais j'avais commencé par celle-là, en fait. Ouais. Comme la baraque, elle appartient à un cabinet de notaire. Le maire, tu sais, on a fait la tête du C sur Internet, hein, avec Snapdeck. On a attendu 8 jours, et au bout des 8 jours, ben, du coup c'est bon, la baraque c'était comme si c'était bon pour les papiers. On est arrivé, on est resté 3 jours dedans. Au bout du 3e jour, le cabinet de notaire, ils sont arrivés avec 10 flics municipaux, le maire, ses conseillers, ils nous ont dégagé de là. Ils nous ont dit allez partez. Et moi en fait, quand ils sont arrivés, comme j'ai plein de rappels à la loi pour effraction et tout, je suis sorti par une espèce de trou ici. Et là je suis tombé dessus. Je regardais le bordel. Non, c'est quoi ça? Pourquoi j'ai perdu mon temps là-bas? Là-bas, j'ai galéré pour les séries. T'as perdu du temps. Ça m'a regagné parce que celui-là, au final, tu ne le savais pas. Celui-là, je ne savais pas. Je suis tombé.